Amen. Nous aimons la parole. Alléluia. Le corps se nourrit de pain, de foutou, de riz, mais l'âme se nourrit. Alléluia. De la parole. Gloire au Seigneur. Et ce qui nous donne de dominer est tiré de la parole. Nous tirons notre force, amen, de la parole du Seigneur. Alléluia. C'est ce qui nous donne d'avancer. C'est ce qui nous donne, amen, alléluia, de ne point nous. Amen, alléluia, amen, démissionner. Alléluia, mais toujours être renouvelé et avancer avec le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et que la gloire lui revienne, lui qui renouvelle vos forces. Amen. Et qui renouvelle en vous l'esprit et la soif de lui. Amen. Et qui vous conduit à sa présence. Que son nom soit béni. Amen. Nous allons prendre Actes chapitre 2, les versets 37 à 38. Actes chapitre 5, les versets 32. Et Romains 8, 9. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. J'aimerais simplement parler sur avez-vous le Saint-Esprit? Avez-vous le Saint-Esprit? Alléluia. Parlez un peu sur l'importance de l'avoir. Amen. Amen. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Amen. Et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Amen. Amen. Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le pardon de vos péchés. Amen. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Je veux que nous m'accordions très bien attention là. Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi? Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Amen. Amen. Actes 5, 32. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez tué. En le pendant au bois. Amen. Dieu l'a élevé par sa droite. Amen. Comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. Amen. Nous sommes témoins de ces choses. De même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Amen. Romains 8, 9. On lit le verset 1 et le verset 8 et le verset 9. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Verset 9. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit. Amen. Qui vit selon l'Esprit? Si du moins vous vivez selon l'Esprit, vous êtes spirituel et non charnel, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Amen. C'est la seule chose qui fait que vous vivez selon l'Esprit et non selon la chair. C'est la seule condition qui fait que vous êtes spirituel et non charnel. Non. Mais pour vous, vous ne vivez pas selon la chair des hommes charnels. Non. Mais selon l'Esprit. Amen. Si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un
n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Amen. Père bien-aimé, que la gloire te revienne. Amen. Toi qui nous as aimés le premier. Amen. Oh Dieu, tu nous as vus liés par le péché. Amen. Et tu nous as rachetés, oh Dieu, des liens du péché. Amen. Par ton sang. Amen. Quel grand amour, Seigneur. Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, alors que nous nous tenons ici ce soir, souviens-toi de nous et qu'à travers ces paroles, oh Dieu, tu disposes notre cœur, tu ouvres notre cœur. Amen. Tu nous instruis, Seigneur, afin que nous puissions comprendre comment nous devons vivre, comment nous devons marcher et quel est le but de notre présence dans ta maison. Pourquoi nous venons dans ta maison, Seigneur? Amen. Oh Dieu Tout-Puissant, lorsque les apôtres et les saints qui nous ont dévancés ont compris cela, Seigneur, qu'il pleuve, quelles que soient les situations, les conditions. Amen. Oh Dieu, ils étaient toujours, Seigneur, à leur poste. Amen. Souviens-toi de nous, Seigneur. Bénis cette assemblée, bénis ces paroles dans nos cœurs. Nous te le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Avez-vous le Saint-Esprit? Béni soit le nom du Seigneur. Nous savons que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Amen. Si j'ai le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit, c'est Dieu, amen, c'est que Dieu habite en moi. Amen. Alléluia. Je suis une partie de Dieu ou une partie de Dieu habite en moi. Amen. Je suis un membre. Je suis une partie de Dieu. Béni soit le nom du Seigneur. L'homme naturel est une partie de son Père. Mais pourquoi? Mais parce que la semence de l'homme, la semence qui est dans l'homme, vous comprenez cela? Amen. Amen. Je peux nommer le spermatozoïde, le germe. Amen. Alléluia. Amen. Qui est dans le rein de l'homme, est sorti de lui. Amen. À aller chez la femme. Et amen, cette gamète ou ce germe a commencé à se métamorphoser. Amen. Amen. A commencé à se métamorphoser, à se développer. Amen. À changer de forme. Amen. Jusqu'à ce que ça devienne vous et moi. Amen. 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 Alors voyez-vous que c'est une partie de l'homme qui est devenue moi, qui est devenue vous. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Si, amen, l'Esprit de Dieu habite en moi, je étant un fils de Dieu, je suis une partie de Dieu. Je suis une pensée, un attribut de Dieu, qui est sorti de Dieu et qui est devenu moi, qui est devenu vous. Il fut un moment où Ève était en Adam. Gloire au Seigneur. Elle était à Adam. Amen. Amen. Adam était comme un être double. C'est vrai. Gloire au Seigneur, mais c'était l'homme. Amen. Amen. Et de ce grand Adam, amen, il a été divisé en deux. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En Adam, en l'homme, et puis en la femme. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et un jour, amen, Dieu, alléluia, lorsque cette femme, cette partie sortie d'Adam, Dieu, quand Adam se réveilla, Dieu ramena cette partie en Adam. Amen. Afin que Adam reçoive, amen, dans ses bras, amen, une partie de lui qui était sortie de lui et qui est revenue à lui. Amen. 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 Et si étant des fils et filles de Dieu, nous sommes des parties de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons peut-être être errants, etc., à là, ça et là. Mais lorsque nous nous retrouvons dans la maison de Dieu et croyons la parole de Dieu, amen, la recevant et marchant avec elle, amen, alléluia, c'est Dieu, amen, comme Adam qui reçoit une partie de lui, une partie qui était sortie de lui, amen, et qui est revenue à lui, amen, afin que nous soyons un, amen, avec lui. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu en nous, c'est une partie de Dieu en chacun de nous.
Une fois, voyez-vous, dans Nombre chapitre 11, le verset 25, Dieu a dit à Moïse, rassemble 70 des anciens d'Israël, je vais prendre l'esprit qui est sur toi et je vais le mettre sur ces 70-là. Mais quand Dieu a pris l'esprit pour mettre là-bas, Moïse ne s'est pas vidé. Amen. Amen. Moïse ne s'est pas vidé. Il était comme l'océan, toujours rempli. Voyez-vous, toutes les fleuves et autres viennent se jeter dans l'océan, mais ça ne déborde jamais. Amen. Amen. Il demeure toujours là. Gloire au Seigneur. Amen. Moïse était toujours rempli. Amen. De ce qu'il est. Amen. Et Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse. Il a mis sur les 70. Et à un moment, ces personnes ont agi comme Moïse. Amen. N'est-il pas merveilleux? Amen. Quand Dieu a pris l'esprit qui était sur lui et a mis sur les 70, les 70 ont agi comme Moïse. Au point même que Josué dit, empêche-les de prophétiser, parce qu'ils étaient en train d'agir, faisant comme s'ils devaient prendre la place de Moïse. Mais ils ne pouvaient pas prendre la place de Moïse. Moïse était cette personne spéciale que personne ne pouvait imiter ni prendre la place. Gloire au Seigneur. Amen. Dieu prend l'esprit qui est en lui et il met aussi sur nous. Amen. Comme il a fait à la Pentecôte. Amen. Amen. L'esprit qui était, le grand esprit qu'il est, gloire au Seigneur. Amen. Il s'est comme brisé et s'est posé. Amen. Sur ses 120 qui étaient là. Et ils ont commencé à prophétiser tout ça, à parler en langue. Gloire au Seigneur. Amen. Et aujourd'hui encore, Dieu fait la même chose. Alléluia. Amen. Comme je le disais, c'est pas mercredi ou vendredi. Amen. Lorsque l'Église qui est née à la Pentecôte arrive à sa fin au septième jour, il y a le baptême du Saint-Esprit qui vient, montrant que l'Église, amen, est achevée. La marche de l'Église arrive à sa fin. L'Église arrive à la fin, amen, de sa construction. Parce que le baptême, le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Amen, le sceau de Dieu. Et lorsque l'Église reçoit le sceau de Dieu, le Saint-Esprit, cela marque que l'Église est arrivée à sa fin. Amen. Voilà cela. Et le Saint-Esprit ne pouvait pas descendre au jour de Luther, de Wesley, de Colomban là-bas. Mais cela arrive à la fin de l'Église. Amen. Montrant que l'Église devient une œuvre achevée. Amen. C'est une œuvre achevée. Amen. Et lorsque le croyant reçoit le Saint-Esprit, c'est la pierre faite couronnant votre pyramide. C'est le Saint-Esprit couronnant votre adoration, votre marche. Amen. Dieu montrant que vous êtes une œuvre achevée. Béni soit le nom du Seigneur. Et alors vous êtes mis à part jusqu'au jour de l'enlèvement de la rédemption. Amen. Le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit est un sujet très, 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 très important. C'est ce qui fait qu'une personne qui vient à l'église est appelée chrétien. Amen. C'est ce qui fait que vous êtes appelé chrétien. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas chrétien. C'est vrai. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. On peut vous appeler chrétien, mais c'est un slogan. Amen. Mais tant que vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'êtes pas encore identifié à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas encore un avec Christ. Les apôtres ne furent pas appelés chrétiens avant la Pentecôte. Non. Mais ils furent appelés chrétiens après la Pentecôte. Amen. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. C'est la seule chose sans laquelle vous adorez en vain. C'est la chose, si vous ne l'avez pas, vous vous fatiguez à venir à l'église en vain. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Si vous ne l'avez pas, vous n'êtes pas un chrétien.
Si vous ne l'avez pas, amen, vous avancez avec vos efforts. Ce n'est pas lui qui vit en vous. Amen. C'est toujours vous qui vous débrouillez pour avancer. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Si vous ne l'avez pas, si vous quittez l'assemblée et que vous retournez dans un quartier où vous êtes seul, amen, alléluia, vous allez regarder à gauche et à droite et vous allez commencer à faire ce que vous voulez parce que vous croyez que Dieu n'est pas là. Amen. Mais quand vous l'avez, vous êtes son temple. Amen. 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 Il habite en vous. Amen. Et vous savez qu'il est là parce que vous êtes sa maison. Amen. Vous n'êtes pas vide. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, William Branham dit à sa présence, lorsque, amen, vous êtes poussé à faire ceci, vous ne le faites pas. Vous êtes poussé à faire ceci, vous ne le faites pas parce que Dieu est là. Gloire au Seigneur. C'est la chose, si on ne l'a pas, une personne ne l'a pas, il n'est pas un chrétien, il vient à l'église pour zéro. Jusqu'à ce qu'il l'ait. C'est le visa pour le ciel. C'est comme quelqu'un qui veut voyager. Gloire au Seigneur. Tu veux voyager, tu n'as pas le billet. Ou bien tu veux prendre l'avion, tu n'as pas visa. On va te réclamer cela à la porte de l'avion. Amen. Ou à la porte du car. Si vous ne l'avez pas, monsieur, mettez-vous de côté, madame, laissez passer le suivant. Amen. Le Saint-Esprit, c'est ce qui ouvre le ciel. Amen. Si vous ne l'avez pas, votre ciel est encore fermé. Amen. Gloire à Jésus-Christ. C'est ce qui est exigé. Une personne qui meurt aujourd'hui n'est pas sauvée après. Non. Gloire au Seigneur. Amen. Jésus-Christ l'a sauvée avant la fondation du monde. Amen. Et sa foi dans la parole promise rendue manifeste. Amen. Amen. Lui donne ce visa. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Et il continue sa marche avec cela. Amen. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Le baptême du Saint-Esprit met fin au désir du péché. Le mercredi, j'ai expliqué, etc. Ils sont sortis de l'Égypte. En Égypte, ils étaient en contact avec les l'ail, les concombres, les poupées décalées, les choses de l'Égypte. Ils étaient en contact. Personne même ne les grondait pour ça. Hein? Il n'y avait pas de Moïse là-bas qui les. Moïse lui-même, il se cherchait dans les affaires. Amen. Il n'y avait pas de prédicateur. On dit, oh, telle personne prêchait à Israël pour dire, oui, prenez courage, vraiment les briques de Pharaon, faire ça bien, vraiment ne vous en faites pas, etc. Et tout ça. Mais chacun faisait des briques pour lui, etc. Amen. Et on lui mangeait ce qu'il voulait et tout. Vous comprenez cela? Amen. Et un jour, on les a fait sortir de là. Quand ils sont arrivés dans le désert, Amen. Il n'y avait plus de maquis. Il n'y avait plus de coin où on vend bière. Non. Il n'y avait plus de coin où on vend coutoukou. Non. Hein? Non. Il n'y avait plus tous ces coins-là. Amen. Amen. Mais cependant, dans leur cœur. Amen. Hein? Amen. Gloire au Seigneur. Quand ils sont sortis, je peux dire, le corps a été circoncis, ça. A été séparé des choses de l'Égypte, Amen. Mais le corps, le spirituel, n'était pas encore séparé. Non. Donc, étant dans le désert, ils avaient encore le désir, Amen. La soif, mais la chose n'était pas là. Mm-hmm. Vous comprenez cela? Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Alléluia. Comme je le dis souvent, ce n'est pas parce que le papaye ne produit pas le papaye que ce n'est pas un papaye. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Alors, donc, ils étaient dans le désert. Les pieds n'étaient pas en Égypte, mm-hmm. mais leur cœur était encore là-bas. Le pied a été séparé. Mais il faut que le cœur soit aussi séparé. Amen. 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 Et ce sont ceux qui sont nés de nouveau dans le désert Amen. Qui sont rentrés à Canaan. Amen. Ceux qui sont nés de nouveau. Amen. Les enfants qui sont nés, tout ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Amen. La plupart, à l'exception de Josué et de Caleb, ce sont ceux qui sont nés dans le désert. Amen. C'est-à-dire ceux qui sont nés de nouveau.
Amen. Qui ne connaissent pas les désirs des choses de l'Égypte et tout ça. Amen. Ce sont eux qui sont rentrés à Canaan. Alors étant en Canaan, personne ne pouvait dire, quand on était en Égypte, on écoutait telle chose, on regardait telle chose. Ce désir, cela n'était plus dans leur pensée. Amen. Qu'est-ce que c'est? Le Saint-Esprit vient mettre fin au désir du péché. Vous comprenez cela? Amen. Alors chacun peut sonder un peu à quel niveau, là où il se tient. Amen. Gloire au Seigneur. C'est pourquoi par le prophète Mode, c'est lorsqu'un voleur est converti, l'évidence qu'un voleur est sauvé, il est sauvé de l'esprit du vol. Parce que tant qu'il n'est pas sauvé de cet esprit, il doit arrêter de voler. Amen. L'évidence, c'est qu'il arrête de voler. Amen. On avait, David pouvait simplement marcher sur la tour et tout ça. Il pouvait voir, comment elle s'appelle, Bathsheba. Il pouvait voir, elle pouvait la voir là-bas, etc. Et tout ça. Elle est mariée ou elle n'est pas mariée ou tout ça. Je la veux. Je la veux. Même s'il fallait tuer son mari même pour la prendre et tout ça, il fait. Parce que c'est l'attitude de quelqu'un qui n'est pas encore converti. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Vous allez essayer de l'attraper et tout ça, il va faire. Le pasteur va crier, avoir sueur et toutes ces choses. Mais pour que le travail soit terminé dans la vie de cette personne, il faut le baptême du Saint-Esprit. Vous comprenez cela? Dieu te fait sortir du monde. Amen. Et Dieu commence à œuvrer en toi, à travailler en toi. Amen. Comme l'argile, vous comprenez? On fait sortir là. Amen. Et puis, on tape l'argile, etc. Et puis, il faut prêcher doucement. Il faut prêcher doucement. Le pasteur, c'est comme moi, il a prêché aujourd'hui. Et on te tape, etc. Et tout ça, les cailloux, les choses sortent, etc. Et Dieu malaxe la parole, la prédication de la parole. Va te malaxer. Amen. De travailler, etc. Et tout ça. Et les racines sortent, etc. Tu te sanctifies, etc. Jusqu'à ce que celui qui a fait travailler l'or se reflète dans l'or. Amen. Il voit son image à l'intérieur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Amen. Alors, voyez-vous. David pouvait marcher là et tout ça, mais à la fin, gloire au Seigneur, à la fin, pour montrer que on ne doit pas l'appeler adultère. Amen. Comme on dit, Rahab, la prostituée, mais Dieu l'a racheté de la prostituée. Amen. Amen. Dieu a fait tomber les murailles pour la délivrer. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Voyez, oui, c'est cela. Amen. Pour montrer que, amen, il est converti, etc. Amen. On va aller chercher une belle fille. Amen. Jolie. Amen. La Bible n'a pas dit qu'il était aveugle. Mais il voyait bien. Amen. Il avait les yeux bien. Amen. On allait chercher la plus belle. Pour qu'on ne l'appelle pas adultère. Pour que les gens sont là, voyez-vous, David a fait ça, et puis Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur. David a fait cela, et puis Dieu a dit c'est l'homme selon mon cœur. Non. Dieu ne te dit pas tu es la fille, l'homme selon mon cœur, parce que tu es né blanc, et puis tu vis blanc, tu mouris blanc. Non. Mais tu es son fils, parce qu'à un moment de ta vie, tu as pris la résolution, tu t'es résolu, comme Daniel, à ne plus manger les mets du roi. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Ils sont allés prendre une belle fille. Hein? Jolie. Gloire au Seigneur. Amen. Et, et elle venait même, elle dormait pour le réchauffer. Amen. Et je crois que pour le réchauffer, peut-être qu'elle ne mettait pas d'habit. Amen. Hein? Peut-être un petit caleçon, un petit quelque chose. Un contact corps à corps. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et elle est restée vierge dans la maison de David. Amen. Et il ne la toucha point. Amen. C'est l'évidence que son cœur a été changé. Amen. 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 C'est l'ombre des choses à venir. C'est l'ombre des choses qui se produisent aujourd'hui. Amen. L'évidence que le voleur est converti, c'est qu'il cesse de voler. L'évidence que l'ivrogne le saoulait est converti,
c'est qu'il arrête de visiter les bistrots. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Le Saint-Esprit vient et il met fin. Amen. Alors, il ne pense plus au camp de terre Canaan. Non, c'est terminé. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Et vous désirez toujours la parole. La preuve que vous avez de cet esprit, au début de la vie, maintenant, non, c'est l'amour, le fait d'aimer les gens, les chiffres. Non. Je l'ai montré clairement. La preuve que vous avez de cet esprit, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous avez maintenant le péché ne vous domine plus. Amen. Mais c'est vous qui le dominez. Amen. Parce que cet homme de Genèse 1, 26, à lui, cet homme à l'image de Dieu, en qui Dieu se reflétait, amen. Dieu dit amen, afin qu'il domine les choses de la terre. Amen. Amen. Donc c'est l'homme du croyant qui a reçu le baptême du Saint-Esprit. Amen. Nous devions dominer les choses de la terre. Amen. Tu ne tombes pas pour rester à terre, mais tu te relèves. Amen. Parce que tu dois être vainqueur. Amen. Le vainqueur, il peut perdre des batailles, mais il aura le succès à la fin. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Tu dois faire. Tu n'es pas quelqu'un qui jette l'éponge, comme un bonseur là-bas. Oh, il jette l'éponge, qui démissionne, mais tu restes ferme. Gloire au Seigneur. Alléluia. Tu tapes du poing au sol pour dire Seigneur, Seigneur, Seigneur. Alléluia. Vous brisez le contrat que le diable a avec notre corps. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Et tu as en toi la soif de la parole. Parce que tu es comme, amen, une colombe. L'huile doit jaillir à chaque fois pour purifier l'extérieur. Amen. Donc en toi, il y a toujours une soif de la parole. L'évidence qu'une personne est née de nouveau, c'est qu'il a faim et soif d'être trouvé conforme à la parole de l'heure. Amen. Tout le temps. Amen. Vous avez compris cela? Amen. Vous avez faim et soif d'être trouvé conforme au message de l'heure. Amen. Tout le temps. Amen. Amen. Vous ne trouverez pas quelqu'un qui est né de nouveau. Ah, aujourd'hui, là-bas, je suis parti derrière l'église. Mm-hmm. Alléluia. Donc, l'an. Amen. Celui qui est né de nouveau, il a soif d'entendre la parole de Dieu. Amen. Il trouve son repos dans la parole de Dieu. Amen. Comme Abraham pouvait tourner, et le soir, comme celui que j'ai vu, il rentre trouver sa belle, sa princesse, Sarah, et il trouve le repos. Amen. L'enfant de Dieu trouve le repos dans la parole de Dieu. Amen. 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 Tu es né de nouveau, tu auras toujours souci d'être agréable à Dieu. Souci d'obéir à la parole de Dieu. Amen. De chanter. Amen. D'écouter des cantiques. Amen. Tu ne trouveras pas la joie à écouter Bob Marley. Ou bien un DJ ici. Ou bien une musique païenne. Quelquefois même il y a des musiques qu'on chante Jésus, mais tu as dit non, ça là c'est habillage. C'est pas Jésus. Amen. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui est un testeur. Amen. Tu as un réactif en toi. Amen. Amen, un testeur. Qui teste cette chose-là, le baptême du Saint-Esprit. Amen. C'est très important. Amen. C'est ce que nous devions avoir afin d'avoir le cœur en paix. Amen. Amen. C'est ce que je dois avoir. Quand on m'appelle, celui-là, c'est un frère en Christ. Amen. Je suis content. Amen. C'est oui, c'est mon nom. Amen. Mais celui-là, c'est un chrétien. Il est dans l'entreprise, à l'école, partout. Amen. Celui-là, c'est un chrétien. Je n'ai pas peur. Amen. Amen. Je ne cherche pas à cacher mon identité. Amen. Amen. Parce que quelquefois, il y a trop de belles filles dans la classe. Il y a trop de belles filles dans la cour. Donc, je ne veux pas qu'on sache que je suis chrétien. Mais je suis heureux de savoir que je suis un chrétien. Amen. Et de mettre comme Daniel mon témoignage sur la fenêtre. Amen. Mon témoignage sur la porte. Amen. Afin que mon témoignage soit public. Amen. 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 Comme en Égypte. Que le sang soit sur la porte. Amen. Et que mon témoignage soit public. Amen.
Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ce qui fait que nous sommes des chrétiens. Et lorsque le pasteur n'a pas de membres, jusqu'à ce qu'il y ait des baptisés du Saint-Esprit dans l'église. Amen. Amen. Ils peuvent remplir Amen. Les chaises. Mais tu as toujours des chaises vides. Ce sont toujours des chaises vides. Amen. Jusqu'à ce que tu aies des personnes remplies du Saint-Esprit qui occupent ces chaises Amen. Et tu les auras toujours. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Tu les auras toujours. Alléluia. Le Saint-Esprit brise le lien. Amen. Le fil conducteur entre nous et le péché. Et il produit en nous la soif et le désir de la parole de Dieu en nous. Amen. Et le baptême du Saint-Esprit, le sceau de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Regardez de quoi c'est Apocalypse 9. Il dit, ne touchez pas à ceux qui ont le sceau de Dieu. Hein? Les gens de Matthieu 7, là-bas, Seigneur, on a fait des miracles par ton nom, on a fait ceci, on a chanté, on a fait ceci et tout ça. Est-ce que vous avez le sceau de Dieu? Hein? Est-ce que vous avez le sceau de Dieu? Dans Ézéchiel chapitre 9, là-bas et tout ça, il a dit là-bas à l'ange de la mort, il faut frapper. L'ange de la mort, il faut frapper. Mais ne touche pas à ceux qui avaient le sceau de Dieu. Amen. Et l'ange de la mort, comme en Égypte, le signe, il ne reconnaîtra rien d'autre. Amen. Amen. Alléluia. Ouais, lorsque Moïse avait quitté la terre, il était discuté. Le ciel, le paradis le voulait. Le diable aussi le voulait. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Et lorsqu'un homme quitte aussi la terre, le diable est venu le prendre, il voit sur lui, il y a un signe, une marque d'appartenance. Amen. On a les bœufs qui passent là, c'est pour lui ou bien c'est pour ça? Regardez, il y a les cachets sur lui là. Donc, le cachet qu'il a là, on dit que ça, c'est pour Jacob. Amen. Et ça, ce sont les brebis de Jacob. Amen. Ça, ce sont les brebis de Laban. Amen. Il y a une identification. Amen. Il y a un signe d'appartenance sur ces personnes-là. Amen. Amen. Et l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre. Amen. Vous comprenez, frère? Amen. Que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Amen. Amen. Que j'ai le sceau de Dieu sur moi. Amen. Je sois une œuvre achevée de Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. En Égypte, l'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre que le sang sur la mort. Ézéchiel 9 ne reconnaîtra rien d'autre que le sceau. Apocalypse chapitre 9, il ne reconnaîtra rien d'autre que le sceau. Mes frères, gloire à Jésus-Christ. Amen. Si tu dois monter à la sixième, gloire au Seigneur. Alléluia. Et tu ne dois pas descendre. Il y a deux mondes qui exercent sur l'homme une attraction. Hein? Il y a deux mondes qui exercent sur nous une attraction. Il y a le ciel qui exerce une attraction. Et il y a le monde d'en bas, la cinquième dimension, qui exerce une attraction. Le monde de Satan et le monde de Dieu, il y a un combat. Même les saints étant vivants sur la terre ici, fais ça, ne fais pas. Fais ça, ne fais pas. Jusqu'à ce qu'un jour tu restes pour la dernière fois. Gloire au Seigneur. Alors c'est lui que tu as servi. Amen, tu vas chez lui. Il y a une exigence de Dieu pour le ciel et il faut remplir les conditions fixées par Dieu pour le ciel. Amen. 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 C'est une promesse que Dieu n'est pas avare. Non. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père. Amen. Joël 2, 28. Amen. Acte 1, verset 14. C'est la promesse du Père. Jésus a dit ce que le Père a promis. Dieu n'est pas avare. Non. Dieu dit il y en a. Il est celui qui multiplie les pains et les poissons. Alléluia. Même si les pains et les poissons là c'est deux, ou bien le pain là c'est un, ne vous souciez pas pour dire est-ce que ça va te suffire aussi? Ça va te suffire. Amen. Il va multiplier ça pour que tout le monde ait ça. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. C'est la promesse du Père. Et Dieu est fidèle, Dieu tient sa promesse. Le plus grand don
le don le plus excellent Amen. Que Dieu donne à un homme qui l'aime, c'est le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Si tu aimes Dieu, Amen. Il te donnera le Saint-Esprit. Amen. Si tu as une semence prédestinée, Amen. Et que dans ton jour tu aimes Dieu, Amen. Dieu n'est pas avare, il te donnera le Saint-Esprit. Amen. Parce que tu l'aimes. Ce n'est pas un slogan. Mais celui qui l'aime garde sa parole. Et sa parole, ce n'est pas n'importe quelle parole. Gloire au Seigneur. Dieu parle dans ta génération. Et tu dois reconnaître sa voix. Mes brebis reconnaîtront ma voix. S'ils ne reconnaissent pas le message, c'est qu'ils ne sont pas des brebis de Dieu. Mais s'il est une brebis de Dieu aujourd'hui, il reconnaîtra la voix de Dieu. Il viendra à cette voix. Amen. Il croira cette voix. Amen. Il ne trouvera pas cette voix difficile. Amen. 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 Néhémie pouvait dire, Amen. Au temps de la restauration du temple et des murailles, et lorsque vous entendrez le son de la trompette, Amen. Amen. Peut-être que les ennemis, le diable, le serpent, peut-être vous pouvez le dire là-bas, lui aussi va prendre. Je vais l'attirer ici. Non, non, non. Mais regardez dans le livre des nombres là-bas, etc. Dieu dit à Moïse, tu les feras faire deux trompettes en argent. Quand on sonnera avec un son clair, on fera ceci. Quand on sonnera avec un son comme cela, ça sera pour ceci se rassembleront. Lorsqu'on sonnera deux fois, ça sera pour la guerre ou bien ça sera pour la fête. Mais un Philistin ne connaît pas ça. Non. Un Gabaonite ne connaît pas ça. Non. Hein? Un Égyptien ne connaît pas ça. Non. Mais le Juif, il connaît ça. Amen. Quand ça sonne de cette façon, il sait que c'est pour lui que ça sonne. Amen. Il sait qu'il est concerné. Amen. Et il sait lire entre lui pour savoir que ça, il aura un deuxième son. Amen. Amen. Mais frère, peu importe. Combien de fois on fait à l'église? Je le dis, combien de fois on peut dire Amen à la parole? Amen. Quel que soit le don qu'on peut manifester, Amen. Quel que soit le ministère, Amen. Combien de fois on peut payer offrande, on peut payer dîme? Gloire au Seigneur. Amen. Tout ça, c'est rien. C'est vrai. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, ce sont des œuvres. Amen, rendu. Amen, en vain. Amen. Gloire au Seigneur. Rendu Amen. En vain. Alléluia. Rendu en vain. Amen. Il faut l'Esprit du Seigneur. Amen. Et tu feras les choses sans calcul. Recherchons premièrement le royaume des cieux. C'est ça, rechercher le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Quel que soit tout ce qu'on peut faire des dons, faire ceci à l'église, etc. Si nous ne l'avons pas, cela ne nous servira à rien. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. La preuve que Dieu a agréé, Dieu a accepté tout le sacrifice. Amen. Qu'on consent. Amen. Pour venir à l'église, le servir. Amen. Lui donner tout ce qu'on a. La preuve que Dieu a agréé, Dieu a accepté. Amen. Ce sacrifice-là, Dieu doit nous donner le Saint-Esprit. Amen. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Amen. Il faut l'avoir et il nous faut à chaque fois prier. Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alléluia. Chacun est témoin de sa marche et de sa vie. Amen. Amen. Parce que vous savez, vous pouvez l'avoir et vous pensez que vous ne l'avez pas. Vous ne l'avez pas et vous pouvez penser que vous l'avez. Ah. Il y a un homme qui quelqu'un s'est promené d'église en église, de pasteur en pasteur. Amen. Jusqu'à ce qu'il tombe sur le prophète. Amen. Amen. Et quand il est tombé sur le prophète lui a demandé, mais c'est depuis quand tu as commencé à ressentir ce désir vraiment d'avoir le Saint-Esprit comme ça?
de tout ça. Et non, depuis que là-bas et tout ça, il est allé chez Oral Roberts, Billy Graham, chez les pentecôtistes, il a parcouru ici, on lui a dit, non, tu dois faire ça, etc. Il n'était pas satisfait. Amen. Il dit, depuis, etc. Il dit, depuis ce temps, vous l'avez. Amen. Vous commencez à faire. Et voyez-vous, votre témoignage sera un parfum de bonne odeur dans l'église. Amen. Vous serez une sœur, un frère. Amen. Qui est une bénédiction pour l'église. Amen. Il ne crée aucun problème. Amen. Les œuvres de la chair, là, tu n'es pas dedans. Amen. Les problèmes de clan, les problèmes de nervosité, je ne parle pas avec lui, amen, etc. Et tout ça. Hein, etc. Comme le roi d'Israël va aller voir tel roi d'Assyrie pour dire il faut briser ton alliance avec le pharaon d'Égypte et travaille avec moi. Tu n'es pas dans ces conciliabules. Amen. Amen. Tu as l'esprit de Christ. Amen. Et l'esprit de Christ en toi aime les frères. Amen. Aime les sœurs. Amen. Tu aimes la parole. Amen. Tu veux les voir être sauvés. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. C'est ce qu'il a fait. Amen. Il nous faut avoir le Saint-Esprit. Voyez-vous, le baptême d'eau, c'est très bien. Mais il faut avoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il faut aller du Jourdain à la Pentecôte. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Au troisième jour. Au troisième jour là-bas, il faut arriver à la Pentecôte. Amen. Le Jourdain, ça là, tout le monde. Judas même a été baptisé au Jourdain. Judas a été baptisé, etc. Et tout ça, mais Judas n'est pas arrivé à la Pentecôte. Amen. Et non, j'ai été baptisé avant telle sœur. Je ne sais pas pourquoi le pasteur, comme ça, etc. C'est moi, j'ai été la première à te baptiser ici. C'est moi, je suis le premier frère à te baptiser ici. Tout ça, c'est très bien. Mais qui est arrivé à la Pentecôte? Amen. Il faut arriver à la Pentecôte. Amen. Sinon, arriver à un moment où tu vas donner, vraiment, je n'ai été très soucieux. Non, ne gaspillez pas le parfum. Non, mais on peut vendre cela et puis on va avoir de l'argent pour l'œuvre de Dieu, hein, etc. Et tout ça, il était soucieux. Hein? Mais il n'est pas allé jusqu'au bout. Il a abandonné. Hein? Comme Demas a abandonné Paul. Amen. Quelquefois, le frère va poser des actes, faire quelque chose qui va choquer tout le monde. Et puis, on va se mettre. Mais pourquoi elle a fait ça? L'humilité, frère. L'humilité, c'est une grande vertu du Saint-Esprit. Alléluia. Tu ne te prendras jamais comme connaissant. Non. Mais tu seras comme un apprenant. Amen. Tu ne vas jamais dire non, parce que je prêche. Je suis mieux que les frères. Non. On peut te prendre, toi, viens prêcher, mais tu n'es pas un ancien. Hein, frère? Pourquoi faire cela? Amen. C'est pas parce que tu es prédicateur que tu es un ancien. Non. Amen. Le royaume de Dieu est promis à ceux qui l'aiment. Amen. Amen. Jacques 2, verset 5. Le royaume de Dieu est promis à ceux qui l'aiment. C'est ceux qui l'aiment qui hériteront le royaume. Quand vous aimez Dieu et que vous êtes fidèle à Dieu, cela se voit dans l'assemblée dans laquelle vous êtes. Vous êtes fidèle au pasteur. C'est-à-dire que c'est une nature. C'est-à-dire c'est l'ombre. C'est l'ombre. Parce que vous avez cette nature de loyauté. Vous êtes une personne loyale. L'âge de l'Église de Smyrne, le 6, 12 et 60, paragraphe 156. Vous demeurez une créature du temps. Hein? Temporelle. Votre existence, là, c'est moins temps. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Zoé. C'est la vie de Dieu. C'est pourquoi il ne peut pas avoir d'enfer éternel. Parce que pour éternel, ça veut dire, amen, qui ne meurt jamais, qui ne mourra jamais. Amen. Donc il n'y a pas d'enfer éternel. C'est-à-dire que pour être en enfer éternellement,
avoir la vie éternelle. Or, il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, c'est Dieu. Amen. C'est lui qui est éternel. Une seule personne est éternelle et c'est Dieu. Donc, si nous sommes éternels, ça veut dire que nous sommes une partie de Dieu. Amen. Amen. Donc, tant que cette partie de Dieu ne vient pas en vous, amen, vous n'êtes pas une partie éternelle de Dieu. Amen. Vous n'êtes pas éternel. N'est-ce pas? Amen. C'est comme la montagne. Tant que Dieu n'est pas descendu dessus, ce n'est pas une cette montagne. Non. Mais quand Dieu descend sur la montagne, ça devient une cette montagne. Alléluia. Donc, tant que le Saint-Esprit même n'est pas descendu à toi, tu n'es pas véritablement saint. C'est vrai. Amen. Ta sainteté n'est pas parfaite. Amen. C'est vrai. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est en toi, il y a une soif en toi de demeurer saint. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. Mais voyez comment les premiers l'église primitive, voyez qu'ils sont sortis de ces pharisiens avec la consécration et on a vu ce que ça produit. Amen. Et pour que William Branham vive cette vie-là, produise cela, regardez ce que Dieu lui a imposé. Amen. Ne fume pas, ne bois pas, ne suive pas ton corps d'aucune manière. Voyez-vous cela? Alors, voyez-vous, si dans l'église, on a des frères, on a des sœurs qui ne tiennent pas compte de ces choses, on regarde tout et n'importe quoi sur les portables, etc. et tout, on est infecté de démons. C'est ça. Gloire au Seigneur. On est infecté de démons. Amen. Amen. Voyez-vous cela? Mais voyez-vous, la Bible dit le démon, le méchant ne subsiste pas dans l'assemblée des justes. Amen. Gloire au Seigneur. De même que voyez-vous, les sœurs sont très fidèles, qu'elles se sanctifient. Amen. Qu'elles prient. Amen. Lorsque tu te consacres, ce n'est pas la longueur de ta prière qui fait la consécration, non, mais ta vie. Amen. Seigneur, amen, aide-moi, amen, à marcher mieux devant toi. Amen. Que ma vie, amen, soit une colonne pour l'église. Amen. Soutienne l'église. Amen. Et que les sœurs, les frères en font parler moi. Amen. Et lorsque nous avons cet esprit de consécration, amen, quand il y a culte, on est pressé de venir. Amen. De venir m'asseoir, écouter les cantiques, le piano jouer, écouter le prophète en train de prêcher, etc. Je viens tôt, je viens vite. Amen. Parce que je suis fatigué. Amen de cette vie mondaine. Donc, l'été qui est culte, c'est un jour de joie pour moi. Amen. Amen. Rapidement, je quitte le monde, je suis ici. Amen. Je suis dans le monde, je ne promène pas pour aller pour papillonner, vagabonder, aller n'importe où et tout. Non. Je sais que là-bas, quand je vais aller là-bas, ils vont me recevoir même dans le salon, avec télévision allumée, levé là, etc. et tout ça. Ils vont me dire, tu vois, la dernière fois, le film là, tu vois celle-là. Hein? Allez, tu as regardé, non? Vous demeurez une créature du temps jusqu'à ce que vous naissez de nouveau. En ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Amen. Parce que là, Dieu habite en vous. Amen. Vous demeurez une créature du temps. Vous êtes temporel jusqu'à ce que vous naissez de nouveau. En ce moment-là, vous devenez une créature éternelle. Et vous ne pouvez y arriver que si vous avez une partie de Dieu en vous. Amen. C'est ça le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans Actes 2, 37, 38, repentez-vous, soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le nom du Saint-Esprit. Donc, pour recevoir le Saint-Esprit, il faut que le péché soit expié. Amen. Donc, il faut que le péché soit pardonné, le péché soit expié. N'est-ce pas? Amen. Expié. Et pour que le péché soit expié, je dois être aspergé par l'eau de séparation. Amen. 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 Alléluia. Il faut que le péché soit expié. Alors, c'est quoi l'expiation aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait expiation aujourd'hui? Il y a une parole promise, il y a une portion de parole promise à chaque âge. Il y a une
il y a une parole promise de Dieu, une promesse, une parole promise, une parole de Dieu promise pour chaque âge. Amen. 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 Donc cette parole promise, aussi longtemps qu'elle n'est pas rendue manifeste, elle est comme un œuf qui est couvert. Amen. C'est un poussin à l'intérieur, mais qui n'est pas encore manifesté. Ce poussin attend son jour. Amen. Donc, le temps dans lequel nous vivons a une parole de Dieu promise pour ce jour. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Malachi chapitre 4, Luc 17, 30. Gloire au Seigneur. Ce sont les paroles de Dieu promises pour le temps dans lequel nous vivons. Amen. Apocalypse 3, 18 là-bas, etc. Écrit à l'ange. Etc. Apocalypse 17. Ce sont les paroles promises, les paroles de Dieu promises pour le temps dans lequel nous vivons. Amen. Et la parole de Dieu promise pour notre temps, cette parole rendue manifeste, c'est-à-dire accomplie, est la lumière pour ce jour. Amen. Amen. La parole de Dieu promise, lorsqu'elle est rendue manifeste, vous avez Dieu le Père. Amen. Vous avez Dieu le Père. Amen. Et la foi dans l'accomplissement de cette parole, la foi dans cette parole promise rendue manifeste amène l'expiation. Donc la parole de Dieu promise pour le jour, pour un âge, lorsqu'elle est rendue manifeste, c'est ça l'eau de séparation, c'est ça l'expiation. Et la foi dans l'accomplissement de cette parole promise amène l'expiation, c'est ce qui amène l'expiation pour le croyant. Amen. 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 Gloire au Seigneur. Amen. Alors nous sommes dans l'âge de la Odyssée. Nous sommes dans l'âge de la fin. Amen. Quelles sont les promesses de Dieu pour ce jour? Il a dit qu'il va envoyer Noé. Ce qui est arrivé au jour de Noé arrivera de même, n'est-ce pas? Amen. Ce qui est arrivé au jour de Sodome arrivera de même qu'aujourd'hui, n'est-ce pas? Amen. Malachi 4, amen, il ramènera le cœur des enfants à leur père, etc. Tout ça, n'est-ce pas? Amen. Matthieu 17, verset 11. Actes chapitre 3, verset 19, 20, etc. Et tout ça. Ce sont des paroles, des cadeaux enveloppés, mis à part, amen, sous les ailes de Dieu, le grand aigle, qui sont couverts jusqu'au temps de la fin, amen. Comme il a été dit à Daniel, scelle ces paroles jusqu'au temps de la fin. Amen. Ainsi, au temps de la fin, le grand aigle Jéhovah, amen, alléluia, amen, voit ses œuvres clore. Sinon, il clore, n'est-ce pas? Amen. Amen. Et ainsi, ces paroles enveloppées sont rendues manifestes. Amen. La parole devient chair. Amen. La parole de Dieu promise pour l'heure. Amen. Amen. Alléluia, devient chair. Amen. C'est, vous avez votre Père, vous avez Dieu dans la chair. Amen. La parole de Dieu promise pour le temps dans lequel vous vivez. Lorsque vous pouvez reconnaître l'accomplissement de cela, amen. Amen, vous avez Dieu le Père, amen. Vous avez Dieu dans la chair. Amen. La parole c'est Dieu, non? Amen. C'est pas la plénitude. Hein? C'est pas la plénitude. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Amen. Amen. C'est ça qui amène l'expiation. Gloire au Seigneur. Alors vous savez, ce qui est arrivé au jour de Sodome arrivera. Est-ce que ça arrivait? On voit. Telle chose accomplie, Sodome, ça peut s'accomplir. Telle chose accomplie, etc. Mais le super signe, le super signe, c'est un homme qui se lève sur la terre amen. Avec la promesse de salut dans cette génération. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, quand on verra ces signes-là, Dieu a dit, que ferons-nous? Il enverra Noé. Amen. Il enverra Abraham, H-A-L, qui va intercéder pour le salut de Sodome. Amen. C'est auprès d'Abraham qu'il y a le salut. Lot, son
autour de l'arche, dans l'arche de Noé. Amen. Amen. Vous êtes en sécurité. Amen. L'ange de la mort ne reconnaîtra rien d'autre. Ne vous frappera pas parce que vous êtes caché sous le sang. Vous êtes caché sous le sang. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Amen. La parole promise rendue manifeste. C'est cela. C'est Dieu le Père. C'est la parole de Dieu dans la chair humaine. Amen. N'est-ce pas? Amen. Les promesses de Dieu sont agitées par un homme. Amen. Le prophète de l'âge agite les promesses de l'âge dans sa vie. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Ce que Dieu a promis, c'est le prophète qui agite ça. Amen. Il agite ça. Et ça, ça doit aller du début de l'âge jusqu'à la fin de l'âge. Amen. C'est son message qui nourrit l'âge. Amen. 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 Il a la gerbe qui nourrit l'âge du début à la fin. Amen. Dieu a dévoilé, prêché le 14, 6, 64. Quand vous voyez la parole manifestée, et quand vous voyez la parole manifestée, la parole grimpée, quand vous voyez la parole manifestée, vous voyez le Père. Amen. Dieu. Parce que la parole est le Père. Amen. La parole est Dieu. Amen. Et la parole manifestée, c'est Dieu lui-même qui prend sa propre parole et qui la manifeste parmi les croyants. Amen. Il n'y a que les croyants qui peuvent la faire vivre. Amen. Uniquement les croyants. Amen. 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 Alléluia. Et nous recevons le message et nous sommes le message vécu. Amen. Ce message est vivant parce qu'il y a des hommes et des femmes qui vivent ce message. Amen. Amen. Le message mourra parce que nous ne vivons plus ce message. Amen. Mais tant qu'il y a des hommes quelque part qui vivent ce message, gloire au Seigneur, ce message est vivant. Amen. Ce message a des pieds. Amen. Ce message a des mains. Amen. Gloire au Seigneur, c'est cela. La foi dans la parole promise de l'heure, rendue manifeste, alléluia, c'est ce qui offre le péché. C'est ce qui amène l'expiation. Donc aujourd'hui, vos péchés ne sont pas expiés parce que vous croyez en Wesley, etc. Mais l'expiation du péché, l'eau de séparation qui offre le péché aujourd'hui, c'est en recevant le message de William Branham. C'est en appliquant le message de William Branham. C'est ça notre expiation. Amen. Vous comprenez cela? Amen. Que les gens croient qu'ils ne croient pas, c'est leur affaire. Mais ça n'empêchera pas la vérité d'être la vérité. Amen. 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 Gloire à Jésus-Christ. Dieu change-t-il de penser au sujet de sa parole? Paragraphe 37. Le Saint-Esprit doit toujours être vivant dans l'Église, conduisant l'Église conformément à l'âge dans lequel il vit, pour confirmer la parole promise pour cet âge-là. Allez, Dieu ne confirme pas aucune autre parole d'un autre âge dans un âge. Dieu ne confirme que la parole de l'âge. Dieu a prononcé la parole depuis le commencement. Et il y a une portion pour tel âge, une portion pour tel autre âge, ainsi de suite. Ça se passe toujours ainsi. Et ainsi, et le Saint-Esprit doit être vivant dans l'Église pour amener l'Église à vivre conformément à son jour. Il doit être ainsi en ce jour pour confirmer ce ministère du dernier jour. Le prophète parle de lui-même. Amen. Il doit être ici, en ce jour, pour confirmer ce ministère du dernier jour. Amen. Dieu doit être là. Amen. Nous avons sa photo. Amen. Nous avons la colonne de nuit au-dessus du prophète. Amen. Il doit confirmer ce ministère du dernier jour. Amen. Les signes du dernier jour. L'effusion de cet esprit du dernier jour. Il doit être ici pour faire cela. Et vous ne pouvez pas avoir cela par l'action des systèmes,
Dieu a un système. C'est lui qui nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Ainsi, les dénominations ont rejeté ce message. La parole de Dieu promise à l'âge, lorsqu'elle est rendue manifeste, accomplie, c'est ça Jésus. C'est ça notre Jésus. Les pharisiens là-bas, est-ce qu'ils avaient la même Bible que Jésus? Oui. Est-ce que Jésus fréquentait leur église? Oui. Quand il a commencé à interpréter la Bible, il dit non, non, on n'est pas d'accord avec ton interprétation, c'est tout. Sinon, il allait dans la même église qu'eux, il avait la même Bible qu'eux, il avait les mêmes cantiques qu'eux. C'est-à-dire, dans l'église de Jésus-Christ, on va chanter les mêmes cantiques que ceux qui chantaient là-bas, et tout, etc. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Mais il était Ésaïe 61 accompli, Ésaïe 63 accompli, Amen. Il était Somme 22 accompli, il était Genèse 3, 16 accompli, et tout cela. Vous comprenez cela? Amen. Amen. Il était tout cela accompli. Amen. Donc c'était la parole promise, rendue manifeste, la parole dans la chair humaine. Amen. Et les pharisiens ont rejeté la parole promise de l'heure. Amen. Or le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même Amen. Qui revient sous une autre forme Amen. Vers ceux qui l'ont aimé. Amen. Et qui l'ont reçu. Amen. 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 Donc ceux qui ont rejeté Jésus, ils peuvent avoir la même Bible que Jésus, chanter les mêmes cantiques que Jésus, avoir la même Bible que lui. Jésus était avec eux jusqu'après les 30 ans. Jésus était dans leur église. Mais pouvait-il recevoir le Saint-Esprit? Ils servaient le même Dieu et tout. Pouvait-il recevoir le Saint-Esprit? Non. Et il y a un Jésus dans chaque âge. Amen. Et dans cet âge ici, Amen. C'est la parole de Dieu promise pour ce jour. Amen. Agité par William Allen Branham. Amen. J'accuse cette génération d'avoir crucifié Jésus-Christ pour la seconde fois. N'est-ce pas? Amen. Gloire au Seigneur. Alors, quelle que soit la dénomination, ils ont la même Bible que nous, ils chantent les mêmes cantiques que nous, etc. Et tout ça, nous avons été avec eux et tout cela. Mais ils ont rejeté le message, ils ont rejeté Jésus-Christ pour leur jour. Ils ne peuvent pas recevoir l'esprit de la parole. Lorsque vous avez la parole, la vraie parole du jour, vous recevez l'esprit du jour. Il faut l'agneau et la colombe vient sur l'agneau. Amen. La colombe n'est pas descendue sur rien d'autre que la parole promise rendue manifeste Amen. Pour ce jour-là. Amen. Le Saint-Esprit, on peut dire encore la colombe à la Pentecôte, n'est pas descendue sur qui que ce soit que ceux qui ont reçu la parole promise rendue manifeste le jour dans lequel Amen. Nous Amen. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Et aujourd'hui, si une personne doit recevoir le Saint-Esprit, Amen. Il faut que cette personne reçoive premièrement. Amen. Les apôtres devaient recevoir premièrement Jésus. Amen. Jésus devait premièrement l'agneau pour recevoir la colombe. Les apôtres devraient premièrement recevoir Jésus. Donc ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui doivent premièrement recevoir l'agneau, Amen. Recevoir la parole promise rendue manifeste, Amen. Alors ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Amen. Sinon ils ne le recevront pas. Et si Dieu donne le Saint-Esprit aux dénominations d'aujourd'hui qui ont rejeté Jésus, le message, il doit se repentir et aller donner le Saint-Esprit aux pharisiens et aux sadducéens. N'est-ce pas? Amen. Les mêmes sentiments d'amour qu'on peut avoir aujourd'hui, les gens en avaient là-bas. C'est ça. Amenons plutôt les gens à dire recevez Christ. Amen. Si tu reçois la parole de Christ, tu recevras l'Esprit de Christ. Amen. Parce que l'Esprit de Dieu suit sa parole. Amen. L'Esprit de Dieu suit sa parole. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Nous revenons cela. Amen. Amen. Que Dieu nous aide dans cela. Amen. Amen. Et que nous marchions humblement et simplement dans ce message. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen.